Bonjour Madame Maillet. Bonjour. Quelles sont les questions que les vos lecteurs vous posent le plus souvent? Ils me demandent quel est mon livre préféré. Ah oui? Alors je dis que je les aime bien tous, mais habituellement, je préfère le tout dernier que j'ai fait. Ouais. Parce que c'est mon dernier bébé. Mais l'année prochaine, probablement que ça ne sera plus celui-là déjà. On me pose aussi la question, comment ça se fait que j'écris toujours? Comme s'il fallait un certain âge qu'on arrête de travailler. Ben oui. Et on me pose la question si je vis ici ou en Acadie, des choses comme ça. Avez-vous peur de manquer d'inspiration un jour ou si vous savez que ça va aller jusqu'au dernier souffle? Moi, j'ai peur de manquer de vie, pas de manquer d'inspiration. Oui. Parce que l'inspiration, je la puise dans la vie. Si je suis en vie, je peux être inspirée. Et si, parce que c'est la vie tous les jours qu'on raconte, oui, finalement. Oui, bien sûr. La vie intérieure, la vie rêvée, la vie de partout. Alors, vous vivez toujours avec vos personnages ou s'il y en a qui refont surface après un certain temps, après s'être éclipsé? Oui, les personnages reviennent régulièrement. C'est comme si j'avais un vaste globe devant moi ou le cosmos et que tous les personnages étaient des étoiles. Oui. Parfois, il y en a qui sont au premier plan. Parfois, il y en a qui sont à l'arrière-plan. Alors, souvent, un personnage revient comme personnage secondaire dans un autre livre. Ah oui? C'est très intéressant. Je ne prends pas davantage de votre temps. Merci beaucoup, Mme Maillet. Un plaisir. Au revoir. Au revoir. Okay.